Libérez-vous de la loyauté familiale. Donc c'est un extrait du livre des Power Soins. Si vous faites ce soin, c'est que vous vous sentez en conflit entre votre loyauté envers votre famille et votre loyauté envers vous-même. Il est très difficile de couper certains liens ou certaines habitudes une fois qu'elles sont installées, d'autant plus quand vous êtes sous le joug de l'autorité parentale. Ensemble, nous allons vous aider à reprendre votre libre arbitre sans culpabilité. Imaginez que vous vous trouvez dans une grande salle de banquet. Devant vous se tiennent deux trônes. À gauche, celui de votre lignée paternelle. À droite, celui de votre lignée maternelle. Vos deux parents, ou l'image que vous avez d'eux, si vous ne les connaissez pas, se trouvent ici, assis et couronnés. Des dizaines de personnes sont installées autour de la table. Ce sont les membres de votre famille. Ces derniers mangent le repas servi. Vous les observez ripailler et parler fort, sous l'œil attentif et autoritaire de vos parents. Vous prenez place au centre et vous vous servez à manger. Sur la table, vous remarquez une petite fiole rouge. Intrigué, vous en versez quelques gouttes sur votre nourriture et affamé, vous avalez le tout. Cependant, au bout de quelques secondes, vous commencez à vous sentir mal. Vous avez chaud et vous sentez le liquide peser sur votre estomac. Vous attrapez la fiole et lisez ce qu'il est écrit sur l'étiquette. Culpabilité. Vous avez aspergé votre repas de cette émotion dévastatrice et désormais vous peinez à respirer. Vous prenez conscience que votre propre culpabilité vous empêche de vivre convenablement, de penser par vous-même et d'être heureuse. Alors vous prenez la décision de n'être plus jamais loyale qu'envers vous-même. Répétez trois fois les phrases suivantes à voix haute. J'ai le droit de désapprouver la vie de mes parents. J'ai le droit de penser par moi-même. J'ai le devoir de me faire passer en priorité. J'ai le droit de désapprouver la vie de mes parents. J'ai le droit de penser par moi-même. J'ai le devoir de me faire passer en priorité. J'ai le droit de désapprouver la vie de mes parents. J'ai le droit de penser par moi-même. J'ai le devoir de me faire passer en priorité. Ensuite, quittez la table et avancez-vous vers vos parents qui représentent vos deux lignées. Retirez les couronnes qu'ils portent sur leur tête. Ils n'ont désormais plus d'autorité sur vous et vous ne leur devez aucune loyauté inconsciente quant aux prises de décision qui vous concernent. Un parent est un tuteur qui peut encourager et conseiller son enfant, mais il ne peut en aucun cas intervenir de façon constante dans les choix qui ne le concernent pas. Fusionnez les deux couronnes en une et portez-la sur votre tête, puis retournez au banquet. Vos parents prennent place avec les autres invités. Vous pouvez vous installer en bout de table, lieu où vous avez une vision globale de toutes les personnes qui vous entourent, de leurs avis, de leurs énergies, mais où vous êtes en sécurité pour décider de votre vie et régner sur elle sans perturbation. Vous pouvez refaire ce soin aussi souvent que nécessaire, en fonction de vos besoins, comment vous ressentez. Si vous avez besoin de le refaire plusieurs fois, c'est ok. Prenez le temps d'accepter toutes les émotions qui vous traversent lors de ce soin et laissez les libérations se faire au fur et à mesure. Je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit.